Ce jeudi 1er juin, toutes les caméras étaient braquées vers le palais Zahran, à Amman, où le prince héritier Al Hussein de Jordanie a épousé sa fiancée, la belle saoudienne Rajwa Al Saif. Sans surprise, la famille royale a organisé une grande réception en recevant de nombreux invités de marque. Parmi eux, on retrouvait notamment Maxima et Willem Alexander des Pays-Bas, le prince William et Kate Middleton, le roi déchu d'Espagne Juan Carlos et son épouse, Sofia, ou encore le prince héritier Frédéric de Danemark et sa femme, la princesse Marie. Mais ce n'est pas tout. Les observateurs ont également pu retrouver la fille de Donald Trump, Ivanka, et la première dame des États-Unis, Jill Biden. Mais si les deux femmes ont pour point commun de connaître un président des États-Unis, il semblerait qu'elles aient préféré s'éviter. En effet, selon les informations divulguées par nos confrères britanniques de page 6, ce vendredi 2 juin, Ivanka Trump et Jill Biden n'ont pas été photographiés ensemble. En même temps, il faut dire que Donald Trump avait violemment critiqué son ancien adversaire lors de la dernière élection présidentielle outre-Atlantique. On comprend donc mieux pourquoi l'épouse de Joe Biden a préféré passer du temps avec sa fille, Ashley, qui était également présente lors du mariage du prince Hussein de Jordanie. Supérieur à supérieur à mariage d'Hussein de Jordanie, revivez l'événement en images. Ivanka a fait une apparition éblouissante malgré tout, Ivanka n'a pas manqué de faire sensation lors de la cérémonie. Arrivée au bras de mon mari, Jared Kushner, la mère d'Arabella, de Joseph et de Theodore a opté pour une tenue très élégante principalement composée d'une sublime robe bleu ciel à épaulettes du designer Alex Perry. Un look efficace qui lui a permis, selon le Daily Mail, d'attirer tous les regards. Ivanka a fait une apparition éblouissante, mais très discrète, au mariage royal de l'année, où elle a été repérée en train de bavarder avec le prince William, ont ainsi révélé nos confrères. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Dana Press.